Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Don't Starve ou Ne meurs pas de faim. Donc, nous allons continuer tranquillement notre aventure. Ma santé mentale en a pris un coup. Je ne sais pas pourquoi, ça fait un moment du coup que j'ai pas joué. Donc, les objectifs que j'aimerais accomplir, ce serait de faire un Alchemy Engine et de faire... Derrière, où es-tu? J'aimerais d'ailleurs faire le crockpot qui va me permettre de cuisiner et de faire un frigo, simplement, un petit frigo. Donc, hop, on va ranger ça là-dedans. Je vais avoir besoin de plus de bois, je pense. Donc, je vais planter des arbres, comme ceci. Et je vais aller me servir, tout simplement. Hop, donc voilà, il me faut des arbres, récolter de quoi faire. Je pense que si je trouve des fleurs, je vais les ramasser au passage pour pouvoir augmenter ma santé mentale. Donc hop, une petite fleur, c'est pour moi. On continue. Donc là, rien de spécial, mais malheureusement, il faut toujours... un petit temps de farm sur ce genre de jeu. Hop, et comme je veux pas, je veux rien passer. Hop. Et je dois refaire une hache. Il va falloir que je fasse attention à la pierre également. Hop. Ça, je vais récolter. J'ai déjà... Ah, je suis plein au niveau du bois. Eh bien, je vais tout simplement faire des planches. Qui sont ici. 4, c'est très coûteux. Visiblement, une petite astuce, plutôt que de mettre du bois pour alimenter le feu, une chose qui alimente énormément le feu apparemment, c'est la corde. Donc crafter des cordes qui vous coûtent un peu d'herbe et s'en servir du coup pour... Hop, je veux pas attaquer l'abeille. Donc crafter des cordes et s'en servir pour faire... pour alimenter le feu apparemment. D'après ce que j'ai compris, ce n'est pas une mauvaise idée. Voilà, j'en ai crafté. Hop là, des graines, ça je les ramasse, c'est de la nourriture complètement gratuite. Au passage, je peux pas m'en empêcher. Je reprends du bois, je suis là pour ça. Donc apparemment dans ce coin là ça commence à repousser. J'ai dû passer il y a un petit moment. Je ne m'en rappelle plus du tout. De l'herbe, vous voyez, ça revient devant moi. Voilà. Et tac, ça je ne sais pas faire. Hop là, je mange. Je récupère tout ce que je peux. Franchement, on va pas dire non. Donc DB. Tout ça, ça veut dire que ça va repousser. Et on repart pour couper du bois. Donc je vais avoir pas mal. J'ai besoin de bois, apparemment c'est un problème, c'est... Les planches coûtaient assez cher quand même au final. 4 bois, on l'a pas si facilement. Je me demande si après il y a un moyen d'en avoir de manière illimitée et un peu automatique. Je sais pas s'il y a des systèmes automatiques sur ce jeu. Sur ce jeu. Aïe aïe aïe. Ma santé mentale diminue dangereusement. Il va falloir que j'y fasse attention. Donc je vais aller vers mon petit feu. Hop. Et je vais y mettre une corde. Waouh. Ah ouais, d'accord. Effectivement, donc la corde alimente énormément le feu, là, vous avez pu le voir. Donc ça vaut le coup. Heureusement que j'ai vu cette petite astuce. Je vais crafter d'autres planches. Hop là. Les arbres qui grandissent, il faut que je fasse attention également aux chiens, là je sais plus leur nom, qui peuvent apparaître et qui peuvent commencer à m'attaquer. Il va falloir que je reste sur mes gardes. Je sais plus s'ils m'ont déjà attaqué sur cette partie, je suppose que oui. Mais bon, ils sont assez violents. Hop là, j'en ai d'autres. Voilà, une petite forêt autour de mon camp. Ça me permet de me sentir un peu plus à l'abri, même si ça m'aide pas du tout.
Et ma santé mentale qui continue de diminuer. Alors je sais qu'on est de nuit, mais pourtant... Qu'est-ce qui fait que ma santé mentale diminue comme ça? Je cherche et je comprends pas trop. Bon, c'est pas très grave. J'aimerais bien pouvoir crafter un Alchemy Engine et il va me manquer de la pierre taillée et des Golden Nuggets. Les Golden Nuggets, je les ai là. Et la pierre taillée, il va m'en falloir 4. Je regarde ce que j'ai sur moi. Est-ce que j'ai de quoi en faire encore? Ouais. Je vais pouvoir le faire. Donc, le crockpot. Ah, je peux le faire également. Qu'est-ce que je fais en premier? Il va falloir que j'aille chercher de la bouse aussi. Tiens, on va faire le crockpot d'abord. Hop, le voilà. Donc le crockpot, vous pouvez y déposer diverses choses. Pas des graines, des baies. Voilà, et je peux y déposer de la viande et faire cook. Et ça me permet de fabriquer de nouvelles recettes. Je ne saurais pas exactement comment le dire. Tac, tac, tac. Wall, pig house. Non, je ne sais pas. Enfin, je recherche, oui, ma... Non, c'est vraiment pas par là. Flûte de temps. Il y a plein de choses, je sais absolument pas à quoi ça sert. La flûte de pan. Alors, la mythe effigie, il faut absolument que je le fasse. Et voilà, ça m'a donné des... Hop là, meatballs. Donc, ça va me rendre énormément de nourriture. Donc, quand je partirai à l'aventure pour aller chercher de la bouse, ça va être très pratique d'avoir de la nourriture comme ça. Ça fait qu'il faut stocker beaucoup de nourriture, en fait. Ce que je voulais crafter, je veux crafter également... Locksuit. Non, 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 c'est pas par là. Bah, j'ai déjà crafté l'engine, le fameux truc engine. Voilà, puisqu'il me faut l'icebox. Mais pour l'icebox, il va me falloir... Voilà, l'alchimie engine. Et il va me falloir encore de la pierre. Et je crois que j'ai de quoi la faire. Même s'il va falloir que j'aille miner. Je prends... Voilà, je l'ai ici. Ce que j'ai là. Et voilà, et je peux faire l'engine. Que je place ici. Et donc ça va me déverrouiller plein de crafts cette histoire. Donc ça va être très sympathique. Qu'est-ce que j'ai vu? Sleep dart. Alors, split sleepiness at your enemy. Donc ça, je pense que c'est pour faire des fléchettes empoisonnées. Ça va être sympathique après. Fire dart, donc je peux mettre le feu à mes ennemis. D'accord. Ça va être très sympathique. Et moi je veux faire le fameux... Donc là c'est un petit peu la séquence craft. Je pense que je ferai un épisode un peu plus long aujourd'hui. Oh, puisque j'ai le temps. Bon, mon jeton, c'est les vacances. Pot. Donc il est là, icebox. Donc il va me falloir de nouveaux gold nuggets et il va me falloir un peu de pierre. En gros, il faut que j'aille chercher de la pierre. On va aller par là. J'ai pas trop exploré. Ouais. On va aller par là. On va voir ce qu'on peut y trouver. Il y a mes pièges que j'avais posés. Ouais, que j'ai posé là. Et dans lesquels il y a un lapin. Hop là, même un petit morceau de viande comme ça. Ça c'est tout bon. Donc je repose un piège. Hop. Le petit lapin, tu vas y passer. Merci pour la viande. J'ai vu apparemment qu'il fallait pas manger trop de viande. Sinon on pouvait se faire attaquer par je sais pas quoi. Apparemment le grand Manitou des animaux qui est pas content quand on mange, quand on tue trop d'animaux. Donc il faut que tu fasses attention. Oh là, une abeille qui est pas contente. Aïe, lâche-moi toi. Je m'en vais. Ici donc des abeilles. Donc il va me falloir absolument de la pierre. Je vais aller là-haut. Je vais aller là-haut et explorer. Donc, de nouveaux territoires. Voyons ce qui nous attend. Hop, des baies, je ramasse. Parce que de toute façon, même si... Ah, c'est un lapin. Hop là. De toute façon, même si elle commence à périr, je les mangerai. Ça fait jamais de mal. Tac, tac, tac. Voilà. Un petit peu de pierre. Donc s'il y a une roche, je suppose qu'il y en a d'autres. Pas très loin.
On va regarder autour. Des araignées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plein de lapinots. Hop là, voilà, je ramasse. Maintenant, je suis à 40 d'herbe, je peux en faire d'autres. Bon, allez, si je fais des cordes. On n'a jamais assez d'herbe. Maintenant que je sais que je peux utiliser les cordes pour alimenter le feu et que ça marche très bien, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Et la barbe qui commence à pousser, enfin. Un petit hop, un petit zoom pour que vous voyez. Voilà, petite barbe qui commence à pousser. Hop. J'espère qu'il y en a un peu encore. C'est sur ce genre de terrain orange que vous voyez, où on est sur un espèce de foin. C'est sur ce terrain qu'on peut voir des buffalos et ramasser du crottin. Et c'est grâce au crottin qu'on peut... qu'on peut tout simplement faire des fermes ensuite. Donc j'en ai vraiment besoin. Il y en a qui s'en servent pour alimenter le feu aussi du crottin. Bizarrement, ça alimente les feux. Mais c'est un peu idiot parce que... utiliser des cordes fonctionne bien mieux au final. D'après ce que j'ai compris, il y a peut-être encore mieux, mais les cordes sont déjà très bien. Ça va vous coûter que 3 d'herbe. Et 3 d'herbe, c'est quasiment rien à ramasser. Vu que ça repousse très vite. Donc là, j'explore une toute nouvelle zone. Est-ce que j'ai une armure sur moi? J'ai pas d'armure. Hop, je fais attention au marécage. On peut vite se faire piéger. Je vais essayer de récolter un peu de bois. Je sais pas ce que ça donne. Ça donne... D'accord, donc ça donne exactement la même chose qu'on ramasse. D'accord. Ça n'a pas grand intérêt pour l'instant. Hop. Pas sympathique ces bestioles. Je vais faire une petite torche. Voilà. Quand même plus sympa. Et là, il faudra absolument que je remonte ma santé mentale. C'est peut-être pas une bonne idée de m'écarter autant. Mais bon, il faut bien que j'explore. Hop, hop, hop. Je vais manger. Voilà, des petites baies que j'avais sur moi. Même si je le cuis pas, c'est pas très grave. Je continue. Alors, qu'avons-nous? Donc non, ça c'est un coin que j'ai déjà exploré. J'ai pas regardé le milieu. Je vais quand même explorer, même si une fois que vous avez exploré les bords, généralement, le milieu, il n'y a rien de particulier. Ouais, il n'y a rien de particulier. C'est de la forêt. Hop! Du coup, je vais aller par là. Donc on remonte et on continue. Sur moi, j'ai de quoi survivre au niveau viande. Ça devrait aller. Donc je passe à droite. Oh. Et ma santé mentale qui continue de descendre, ça m'inquiète un petit peu, sachant que vous pouvez. Oh là, j'ai l'impression qu'ils ont réduit la durée des torches. Ouais. Pas bon signe. Alors, je vais peut-être tranquillement retourner à la maison. Hop, des petites carottes. Ça, c'est sympa. Hop, une araignée. On va y faire gaffe. Et ah, bah j'en ai une de là. J'en ai une là encore de torche. Je le savais pas. Je continue. Ouais, non. Peut-être pas continuer en fait. Un petit flint. Et j'enchaîne, j'esquive les araignées. Oui, donc je disais, faut faire attention quand on devient... Je regarde la carte souvent, mais bon, c'est pour pas me paumer. Faites attention à votre santé mentale, les ombres finissent par vous tuer. Hein, donc c'est vraiment... ça devient très dangereux en fait. J'y arrive bientôt, mon camp est ici. Non, d'ailleurs, je vais partir explorer. Je suis désolé, c'est pas très agréable la nuit sur ce jeu pour vous. Mais là, j'ai pas envie de perdre de temps. Du coup, je vais partir explorer. Ma torche est à quoi? 27%. D'accord, donc je ne peux pas passer ici. Très bien. Je dois passer un peu à gauche.
Hop là, donc vous voyez les yeux, c'est du faux, hein. C'est pas vraiment des ennemis qui sont dans le noir, parce que on peut le voir, l'œil, c'était dans l'eau que ça se trouvait. Oh là, non, c'était une abeille. Mauvaise idée. Oh là là. Oh, c'était une mauvaise idée. Alors j'ai pas fait attention. Hop, faut que j'aille par là. J'ai pas fait assez attention à ce qu'il y avait. Aïe, oh là là. Ok, d'accord, ici c'est coin abeille. Ok, c'est bien à retenir. Alors je me tire. Waouh, ok, d'accord, il y a beaucoup d'abeilles. Ça pourrait être utile plus tard quand on aura besoin de dards. Pour je ne sais quelle raison, j'avoue que je sais absolument pas à quoi ça sert. Donc on verra bien. Ici, ça doit être la limite un peu plus loin. Ouais, voilà. Donc il doit pas y avoir grand chose. Ok. Bon bah j'ai pu explorer une bonne partie, ça vaut le coup. Un peu dangereux de partir comme ça dans la nuit, mais en même temps, c'est un peu énervant de ne rien pouvoir faire pendant la nuit. J'en profite pour faire les crafts généralement, mais pour faire des crafts, il vous faut des ressources. C'est bien le problème. Hop. Je ramasse des fleurs, ça c'est pour vraiment ma santé mentale. Pour refaire un chapeau aussi, une fois que celui-là sera usé. Même si j'ai l'impression que l'utilité a été réduite. Hop, je vais refaire des cordes. Je peux pas m'en empêcher. Alors, je vais essayer un truc, si je le fais deux fois... Non. Ouais, alors, c'est un problème, on ne peut pas crafter plusieurs choses en même temps. On est obligé de faire un par un à chaque fois. C'est un petit peu dommage parce que des fois, vous voyez, j'ai beaucoup de ressources et je pourrais très bien vouloir faire 10 cordes en même temps et utiliser mon stack d'herbe. Et je ne peux pas le faire. J'espère que ça changera. Le jeu étant en bêta et évoluant constamment, une mise à jour à peu près tous les 15 jours, c'est très raisonnable. Donc je pense que ça changera, mais bon. Hop. Parce que du coup, quand vous avez beaucoup de choses, en gros, quand vous avez beaucoup de ressources, ça devient très dur à gérer, du coup. Vous pouvez pas faire les crafts en quantité, vous êtes obligé de les faire un par un. Et ça limite quand même beaucoup. Hop, je récupère ça. Alors, j'étais parti à la base pour aller chercher de la pierre, mais j'avoue que tomber sur une zone avec... avec des baies et avec de l'herbe un peu à gogo, je vais pas dire non. Donc ça fait que je peux garder ma meatball pour dans un petit moment. Hop, je vais jeter mon chapeau et je vais m'en crafter un nouveau. Voilà, de toute façon c'est biodégradable, c'est des fleurs, je ne pollue pas la planète, tout va bien. Hop, je ramasse des carottes. Donc là, c'est petite séance ramassage de ressources. Hop là. Même si on a quand même crafté deux gros éléments, on a crafté le crockpot et l'alchimie. Donc ça fait quand même des choses. Le problème, c'est que du coup, ça utilise des ressources. Et il faut aller les rembarquer derrière. Alors, ça, c'est une trace d'animal. Tac tac tac, est-ce qu'il y a un passage pour aller à gauche? T'inquiète pas le lapin, je te veux pas de mal. J'ai déjà de la viande sur moi. Pas de problème. Tac tac tac. Un truc que j'aimerais savoir, que j'aimerais absolument faire, c'est la mythe effigie. Je regarderai ça quand je serai de retour. La mythe effigie, je vous en avais parlé, c'est ce qui fait que... vous rasez votre barbe et vous pouvez obtenir une espèce de poupée vaudou grandeur nature. Une effigie qui a exactement votre tête et qui permet de vous ressusciter en cas de mort. Donc ça c'est très très pratique, il va falloir que j'en fasse une, mais je ne connais pas la viande qu'il me faut. Il faut un certain type de viande pour le faire et il faut que je me renseigne. Si c'est quelque chose à crafter avec le crockpot ou si c'est de la viande de buffalo ou voilà, ou d'un monstre en particulier. Hop là. Bon, je me suis bien rééquipé, hein. J'ai beaucoup de nourriture. Ça valait le coup de passer ici. Je trouve pas beaucoup de pierres. C'est un petit peu dommage. Oh yeah, aïe aïe aïe. Alors, on va faire attention. Je les esquive. Je vais quand même passer par là-bas.
Hop là. La base virale VPS a été mise à jour. J'adore. Logiquement, il y en a un deuxième. Non. Ah. D'habitude, les annonces vont par deux. Merci Avast pour me dire que tu es à jour. Hop, hop, hop. Je pense que je vais attendre la fin de cette nuit. Je vais camper. Et je repartirai pour le prochain épisode. Faire un bon moment déjà. Alors, regardez ma nourriture. Je suis à 7, 6. Bam! Hop là, 69. Donc ça vous donne énormément de nourriture. Hein, quand même, vous voyez ce que ça m'a... Que ça m'a rendu. Je ramasse de l'herbe, désolé. Mais je peux pas m'en empêcher là. Voilà, au moins j'en aurais plus à ramasser après, je serai tranquille. Ouh, ça fait du bien. 20 cordes. J'ai de quoi alimenter pas mal de feu. Elle est vraiment immense la map. Hein. Elle est vraiment gigantesque. Je vais éviter d'aller voir les araignées. Mais je vais continuer d'explorer. Par contre, cette nuit, je vais me poser. Je vais faire un peu de nourriture. Notamment les carottes. Là, j'ai ramassé beaucoup de carottes et de baies. Je pense que ça vaut le coup que je les mange. Et je sais pourquoi ma santé mentale diminue. C'est à cause de ma barbe, justement. La barbe diminue votre santé mentale. Ce qui est bizarre. Hein. Moi, personnellement, j'en ai IRL. Et ça me gêne pas. Je ne suis pas un fou furieux pour autant. Donc bon, il a un problème. Le fait de ne pas se raser, ça lui pose problème. Bizarre, c'est un scientifique. Les scientifiques, je les vois plutôt avec un peu de barbe. Je regarde, je fais attention à la nuit. Je ramasse quelques saplings au passage. Puisqu'on a toujours besoin pour les outils, etc. Hop. Pas de passe grasse. Là, je suis équipé de ma super lance. Il me permettra de me défendre si jamais je suis attaqué un peu brutalement. Mais là, j'évite plutôt les combats. Et on va revenir, je pense, tranquillement à la base. J'ai l'impression que là, ça doit se rejoindre et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc, pour trouver de la pierre, ça va être là-bas. Ici, j'en ai, donc il faut que je teste les wormholes pour voir où est-ce qu'ils me téléportent. Hop. Et la nuit va bientôt tomber. Donc on va crafter, hop, un petit feu. Voilà, et j'en profite pour ramasser ce qu'il y a autour. Je vais également cuire mes baies. On va voir ce que ça me donne déjà les baies. Un peu de tout, je vais cuire un peu de lapin. Ouais, ça en donne pas mal. C'est plutôt bien le lapin. J'en refais deux. Hop. Donc ça permet de regagner ma santé mentale également. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Ça redonne pas de vie par contre, mais là c'est exactement ce qu'il me faut puisque je suis déjà au max. Hop, je peux mettre une petite corde. Voilà, on y voit quand même mieux. Donc très pratique cette petite astuce d'utiliser une corde plutôt que du bois. Vu que le bois c'est en fait plus chiant à farmer que les cordes. Et le jour va se lever. Et voilà. Donc je vais m'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On a crafté pas mal de ressources. On a beaucoup exploré aussi. Là j'ai agrandi énormément la partie de la carte que j'avais explorée. Et ce qu'on a fait aussi, on a crafté le croque-pot, donc je vous ai montré, je l'utiliserai un peu plus dans le prochain épisode. Et on a crafté l'alchimie machin, la chimie engine, je sais pas quoi, qui va permettre de crafter plein de nouvelles choses. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode et je vous retrouve pour la prochaine. Ciao tout le monde.